Je déclare ouvert un nouveau vlog. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 16, 17, je ne sais plus, bref, dans ces eaux-là. Et si je vous prends ce matin, ou plutôt ce midi parce qu'il est pratiquement midi, en ce début de semaine, c'est pour ouvrir, vous l'aurez compris, un nouveau vlog lecture. Et comme la dernière fois, ce ne sera pas juste un vlog lecture, mais également un vlog voyage, donc... Une fois de plus, le programme, ça va être de parler bouquins et de, je l'espère, vous ramener quelques images d'évasion et de soleil. Parce que je sais pas vous, hein, mais une fois de plus, chez nous, niveau temps, c'est pas folichon. Autant vous dire qu'on a plutôt hâte de partir. Comme je le disais donc, aujourd'hui, nous sommes lundi, donc ce matin, comme d'habitude, j'ai travaillé. Je travaille donc lundi, mardi, mercredi et jeudi, et vendredi nous décollons direction Marrakech. Le soleil, la bonne bouffe, la découverte, parce que pour ma part je ne suis jamais allée au Maroc, et je l'espère aussi un petit peu de farniente et beaucoup de lecture. Mais avant le décollage, j'ai bon espoir de terminer au moins un roman ce début de semaine. Je croise fort les doigts, roman que j'ai débuté hier soir. Il s'agit de... Tadadam ! Il était deux fois de Franck Tillier aux éditions Pocket, puisque j'ai lu le manuscrit inachevé il y a de ça très peu de temps, qui est le premier tome d'une espèce de trilogie. Il était deux fois et donc a priori le second tome. Même si je vous avoue, là tout de suite, je ne vois pas vraiment la connexion avec le manuscrit inachevé. J'ai une petite idée, une petite supposition, on verra à la fin si c'est bien ça ou non. Tout ce que je peux vous dire, parce que pour l'instant, je n'en ai pas lu grand-chose, hein, j'ai lu 100 pages. C'est que donc, au départ de ce roman, on va suivre Gabriel Moscato. D'ailleurs, à chaque fois que je lis son nom de famille, je ne peux m'empêcher d'avoir en tête Moscato Show, ce qui est assez, assez dérangeant. Pour ceux qui connaissent Vincent Moscato, vous aurez la ref. Toujours est-il donc que faut que j'arrête de bouger ce roman parce que je vois dans le retour que ça fait des reflets un peu dégueu. D'ailleurs, je ne sais absolument pas pourquoi je m'échine à continuer à tourner dans cette pièce parce que la luminosité y est juste ingérable. Donc, au départ de Il était deux fois, on suit Gabriel Moscato qui, malheureusement, cherche sa fille. C'est un flic et sa fille a disparu depuis, je crois, un mois et demi, quelque chose comme ça. Il va interroger un gérant d'hôtel pour avoir la liste des clients qui ont séjourné dans cet hôtel approximativement aux dates où sa fille a disparu. Le patron de l'hôtel lui file donc le registre de la période en question. Il prend le registre, il va dans une chambre inoccupée, la chambre 29, pour étudier, éplucher tout ça. Sauf que, étant complètement exténué par les recherches qu'il mène pour retrouver sa fille, il s'endort. Jusque-là, rien de surprenant, sauf que lorsqu'il se réveille, il n'est pas au jour où il s'est endormi, mais tout simplement 12 ans plus tard. Oui, là, gros mystère. Autant dire que le type est un poil paumé, il comprend vraiment pas ce qui se passe. Il va sortir de cet hôtel et tomber sur une scène de crime où les gendarmes sont en train d'embarquer un corps qui a été découvert donc d'une jeune femme d'une trentaine d'années qui a été absolument mutilée, apparemment violée, etc. et abandonnée au bord d'un cours d'eau. Et au fur et à mesure, il va aussi se rendre compte que 12 ans ont passé, que certaines personnes dont il était proche 12 ans auparavant ne sont peut-être plus aussi proches de lui aujourd'hui. D'ailleurs, tout le monde le voit un peu comme un espèce de fantôme qui revient parce que pour les autres, il y a 12 ans de passé. Donc, autant dire que ce point de départ est franchement plutôt palpitant, ultra intriguant, mais ça, avec Tillier, je n'avais pas trop de doutes. Je ne sais pas du tout où va m'embarquer cette histoire de fille disparue et de perte de mémoire pendant 12 années, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir avancer dedans. Si c'est comme le manuscrit inachevé, normalement, je vais le dégommer, parce que vraiment, le manuscrit inachevé, c'était lu très bien, très facilement, et comme je l'avais dit, si je ne l'avais pas lu seulement en deux jours, c'est tout simplement parce que mon emploi du temps ne me le permettait pas. Donc à mon avis, ça risque de faire la même avec celui-ci. Alors oui, c'est un gros bébé, hein. Il fait 600 pages. En 4 jours,
En soi, c'est tout à fait plausible, sauf que, vu mon emploi du temps en ce moment, je ne parierais peut-être pas ma maison là-dessus. Mais toujours est-il que je vais faire mon possible donc pour le terminer et ne pas l'emmener avec moi durant cette semaine de vacances. Je ne sais absolument pas d'ailleurs quel roman je vais emmener dans ma valise parce que je vous l'ai dit, je crois, il y a peu de temps et ça me l'a encore fait. En fait, hier, donc je farfouillais dans mes différentes piles à lire parce que oui, j'ai plusieurs piles à lire dans la maison, afin de retrouver ce titre en particulier parce que je voulais absolument le lire. Et revoyant donc mes différentes piles à lire, j'ai revu encore bon nombre de titres qui me donnent tous envie, là, tous maintenant. Je voudrais pouvoir lire 40 livres à la fois. Et donc c'est un peu mon problème du moment. C'est que, pour le coup, j'ai vraiment envie de lire plein de titres qui m'attendent dans ma palle, sauf que je ne peux pas tout lire en même temps. Et c'est ce qui va être le plus compliqué, je pense, pour faire ma petite sélection de ce que je vais emmener en vacances. Donc pour l'instant, voilà, j'ai plein d'idées, mais je n'ai encore absolument pas arrêté mon choix. Soit je parle très très vite parce que ce matin je n'ai vraiment pas le temps, et puis dès que j'aurai trouvé le temps d'avancer là-dedans ou que j'aurai quelque chose de somme toute un minimum intéressant à vous raconter, eh bien comme d'hab, je reprendrai la caméra. En tout cas, je vais tenter de ne pas oublier. J'espère donc que de votre côté, vous faites en ce moment de chouettes lectures. Si c'est le cas d'ailleurs, donnez-moi les titres, s'il vous plaît, en commentaire, ça m'intéresse toujours. Et puis je vous dis à tout de suite. Nous sommes le mercredi 19 avril. Je vous prends vraiment rapidement pour vous faire un mini update sur mon avancée au niveau de mes lectures. Alors je vous laissais en tout début de semaine hyper motivée en disant oui, en 4 jours. Je vais essayer de faire en sorte de terminer Il était deux fois. Nous sommes donc mercredi début d'après-midi. Et pour l'instant, je n'en suis qu'à la moitié. Et comme ça avait été le cas pour le manuscrit inachevé, ce n'est pas du tout dû au contenu de ce livre, mais juste à mon emploi du temps un petit peu trop chargé ces derniers jours, parce que pour l'instant, tout comme pour le manuscrit inachevé, je suis très bien dans ma lecture. En fait, ça me fait le même. Vraiment le même effet, c'est-à-dire que là, j'en suis pas encore tout à fait à la moitié et j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé 1000 choses, on va dire, en 250-260 pages et pour autant, à aucun moment je ne m'ennuie et je retourne toujours avec beaucoup d'entrain et d'envie de dénouer les mystères dans cette lecture donc. Donc ouais, pour l'instant, c'est vraiment très sympa. C'est bien sûr, comme le premier opus, extrêmement brumeux et mystérieux, mais bon, je m'attendais clairement pas à autre chose. Et donc voilà, juste si j'avance pas plus vite, c'est tout simplement parce que je n'ai pas assez de temps à accorder à la lecture, mais c'est plutôt pas mal. Donc je doute fort d'arriver à le terminer d'ici le départ au Maroc. Donc il y a des chances pour que malheureusement il fasse partie du voyage. Je dis malheureusement parce que c'est une bricasse et que j'aurais préféré la laisser ici. Mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Et sinon, au niveau de l'histoire, je crois que je vous avais dit aussi que j'avais échafaudé une espèce de petite théorie de comment ce roman pouvait se rattacher au manuscrit inachevé parce que, a priori, les deux histoires sont très différentes. Le point de départ de ce roman n'a rien à voir avec l'histoire du manuscrit inachevé. Et voyez-vous là arriver pratiquement à la moitié. Ça y est, les connexions se font. Au détour d'une page comme ça, sont apparus quelques petits éléments qui ont direct fait tilt dans ma tête, puisque ce sont des éléments assez importants du manuscrit inachevé. Et je me suis dit, ok, c'est là que les choses se raccordent. Donc, pour l'instant, j'ai compris qu'il y avait un lien entre les deux bouquins. Quel est-il très exactement? Je ne sais pas encore, mais ça ne fait que rajouter un petit peu de piment comme ça dans l'histoire. Sur ce, comme j'ai à peu près 1 milliard de choses à faire cet après-midi, je vais tout de suite m'y mettre. J'espère torcher ma to-do list longue comme le bras le plus vite possible. Mais pour cela, il est donc grand temps que je laisse mon livre de côté, que je me bouge les fesses et que j'éteigne cette caméra. Alors, bah écoutez, tout ce que je peux vous promettre, c'est que vous et moi, on se retrouve au plus vite au mieux. Alors, je ne parle pas trop fort parce que Minino dort pas très loin. Nous sommes jeudi 20 avril, il est 20h30 passé.
Et je n'ai clairement pas eu le temps de vous reprendre avant. Je viens tout juste de clôturer tout ce que j'avais à faire pour le boulot et j'ai trouvé le courage au fond de moi-même pour prendre la caméra et vous faire un petit laïus, un petit update sur mes lectures du moment. Et si je vous montre ça, vous aurez compris que malheureusement, je n'ai pas réussi à terminer Il était deux fois en 4 jours comme j'aurais aimé. Néanmoins, il ne me reste que entre guillemets, un petit peu moins de 200 pages. Donc c'est plutôt cool. Et comme vous l'aurez vu, il y en a des choses à relever dans ce roman. Alors, le point un peu négatif, c'est que du coup, je vais devoir le prendre demain en voyage et que je me serais bien passé de prendre cette petite brique. Mais j'ai vraiment trop envie de connaître le fin de mon histoire et laisser passer une semaine le temps de retrouver mon bouquin. À mon avis, ça va pas être possible. Donc voilà, je vais essayer d'avancer dedans ce soir, sachant que ce soir, c'est final de Pékin Express. Et que par conséquent, je ne vais clairement pas me taper 200 pages en une soirée, c'est juste impossible. Mais donc voilà, ce roman est donc le premier qui va m'accompagner dans ma valise pour ma petite semaine de vacances. Et bien sûr, je ne pars pas qu'avec une fin de livre à lire. J'ai donc hier, je crois, choisi quelques titres pour mettre dans ma valise. Et j'ai tellement envie en ce moment de lire plein de romans parce que j'en ai beaucoup trop. Je tourne la tête là et je vois ma pile à lire qui est dans ma chambre puisque comme je vous l'avais dit j'en ai plusieurs. Et rien que là déjà je vois trop de titres qui me tentent et c'est vraiment mon problème du moment. Donc pour m'éviter des nœuds au cerveau pendant 3 heures, ça a été très simple. Je me suis plantée devant ma pile à lire qui est, on va dire, la principale qui est en bas dans mon salon et j'ai pioché un petit peu au hasard quelques titres comme ça que je voyais devant moi. Sans me poser de questions, là je fais vraiment confiance au hasard le plus total et je me dis que plutôt que de me poser 1000 questions et de me prendre la tête pendant 3 heures en me disant est-ce que je prends celui-ci, celui-là, gna gna gna, franchement en ce moment je n'ai pas de temps à perdre même pour ce genre de choses, donc je me suis dit que pour une fois, y aller au pif, c'était pas mal. J'ai du coup par ce procédé choisi 4 titres je crois. Très clairement, je pense que je suis un petit peu trop optimiste et que je n'aurai pas le temps de tous les lire en vacances. Mais au moins, comme ça, on va dire que j'aurai le choix. Le premier que j'ai donc pioché, il s'agit de Les 4 saisons de l'été de Grégoire Delacour que j'ai acheté, je crois, il y a assez peu de temps de ça. Je vous fais pas les résumés maintenant, je vous les ferai lorsque je lirai les livres en question, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. J'ai ensuite pioché Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. Je n'ai jamais lu de roman de Sophie Jomain, ce sera une découverte totale. Là encore, ce qui est plutôt bien, c'est que c'est un roman assez court d'à peu près 250 pages. Je n'ai absolument pas lu le résumé et je pense que je ne le relirai pas avant de me lancer dans cette lecture. Voilà, j'ai envie de me lancer toute vierge de potentielles attentes et ou préjugés. Donc je pense que je vais vraiment rentrer dans cette lecture sans rien en savoir. De nouveau, grosse découverte d'auteurs dont j'entends parler depuis des siècles mais que je n'ai jamais lu jusque-là. Un Virginie Grimaldi que j'avais gagné lors d'un concours avec le livre de poche. Ici, c'est Le premier jour du reste de ma vie. Là, je vais pas vous cacher, je pars avec quelques a priori, mais ma foi, je crois que c'est l'auteur la plus appréciée et la plus lue, je crois, surtout par les Français, alors bon. Qui vivra verra, ce serait un peu bête de ne pas la découvrir du tout, là j'en ai l'occasion. Donc je vais tenter, et puis on verra bien ce que j'en pense à la fin. Et pour terminer, et là j'y vais un petit peu plus confiante, puisque j'ai aussi pris Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry, ce sera donc mon troisième ou quatrième de Jérôme Loubry, je ne sais plus. Bref, c'est un auteur que pour le coup je connais déjà, que j'aime beaucoup, qui propose généralement des thrillers hyper divertissants, addictifs, mais aussi avec des thématiques et vraiment des constructions de romans et des histoires en elles-mêmes qui sont plutôt originales, qui en tout cas moi me plaisent. Et par exemple, le dernier que j'ai lu de lui, ça se passait en Haïti et je trouvais ça
hyper intéressant, j'ai appris des choses, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci qui est son dernier titre qui est paru en format poche il y a assez peu de temps. Sur ce donc, parce qu'il est déjà très très tard, que j'ai la méga dalle, que je n'ai plus de voix et qu'il me reste encore à peu près 36 000 choses à faire avant d'aller me coucher, je pense que je vais éteindre la caméra et à mon avis, désormais lorsque vous et moi nous nous reverrons, ce sera soit dans l'avion, soit sous le soleil de Marrakech. Nous sommes bien arrivés à Marrakech. Je n'ai pas filmé vendredi parce que c'était journée d'arrivée et que c'était le moment où on a pris possession des lieux, on s'est installé, etc. Donc j'avais très clairement autre chose en tête. Hier, c'était journée un petit peu off à la villa, piscine, lecture, bref, la détente avec la famille. Bref, c'était très chouette, d'autant plus que du coup, j'ai pu terminer Il était deux fois. Enfin, donc je vous en parlerai normalement un petit peu plus tard dans la journée parce que là aujourd'hui dimanche, nous allons nous mettre en route pour aller au grand marché de Marrakech. On ne rentrera que dans l'après-midi, voire fin d'après-midi. Je vous ferai donc à ce moment-là mon avis global, mon débrief de ma lecture de Il était deux fois. Et puis en attendant, je vais essayer de vous partager un petit peu les couleurs. Et pas les odeurs, parce que vous ne pourrez pas les avoir, mais j'imagine que moi je vais les avoir, du marché de Marrakech. Et sinon, côté prochaine lecture, à mon avis, je vais partir sur du Grégoire de la Cour. Je pense que c'est la couverture qui m'inspire. Là encore, je vous en reparle normalement plus tard dans la journée. Ça y est, 4h moins le quart, nous sommes rentrés de notre petite balade slash resto au souk de Marrakech. Minou est en sieste, du coup je me dis que c'est un petit peu le moment ou jamais de vous faire mon retour sur ma lecture de Il était deux fois. Parce que non, comme je vous le disais, hier j'ai enfin pu terminer ce gros pavé que j'ai plus que bien annoté. Alors je vais essayer de vous donner mon avis assez succinctement parce que je n'ai plus beaucoup de batterie, mais si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que j'avais déjà beaucoup aimé le manuscrit inachevé et que j'ai encore plus aimé Il était deux fois. Je crois que je vous l'avais dit, mais c'est vrai qu'au début de ma lecture, j'étais un petit peu déroutée, dirons-nous, parce que si l'histoire de Gabriel et de sa perte de mémoire et de la quête autour de sa fille afin de savoir ce qui lui est arrivé et où elle est m'intéressait beaucoup, j'avoue néanmoins que j'avais du mal à voir le potentiel lien avec le manuscrit inachevé que, pour rappel, j'ai lu il y a très peu de temps. Et puis, après environ, je dirais, 250 pages, les connexions commencent à se faire. Et si vous aimez les mystères, les labyrinthes de déduction et que vous aimez également
vous faire retourner le cerveau. Alors, bienvenue sur l'autoroute du bonheur. Je pense que ça a dû être un vrai casse-tête pour Franck Thillier d'écrire ce roman et toute la trilogie dans son ensemble, parce que les connexions sont multiples, les niveaux de lecture et mise en abîme sont là encore très nombreuses, et bien souvent il se débrouille pour complètement perdre son lecteur pour mieux le surprendre à la fin, quand enfin il va décider de démêler un petit peu la pelote de laine et de nous faire un petit peu avancer le chemin logique, je dirais. Je suis désolée, mais vraiment, ça devient compliqué de vous porter à bout de bras. Et à mon avis, l'image va trembler beaucoup trop. Donc, je vais essayer de vous poser quelque part et je vous reprends juste après. Voilà, bon, je vous ai calé comme j'ai pu sur un coussin. J'espère que vous n'allez pas tomber. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Alors, je ne pourrais pas vous dire grand-chose de plus quant à l'histoire en elle-même ou aux thématiques abordées, parce que forcément ça deviendrait très vite spoilant, et c'était déjà le cas pour le manuscrit inachevé. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'histoire, une fois de plus, on est vraiment plongé, comme dans le tome précédent, dans ce que l'humain peut avoir de plus noir, de plus viles intentions, je pense. Même que par rapport au tome précédent, et encore, peut-on vraiment donner une échelle dans l'inhumain? Pas vraiment, mais en tout cas, la lecture, ouais, j'ai eu l'impression que c'était presque encore pire que le tome précédent. On est donc en présence d'humains sans limite, et pour autant, ce qui est assez surprenant et paradoxal, avec certaines règles de conduite. Ce roman présente une dualité entre, je dirais, génie et folie, qui est très intéressante, que j'ai trouvé très à propos, et qui en plus de ça, en tant que lectrice, m'a vraiment donné matière à réflexion. D'ailleurs, de façon générale, j'ai beaucoup aimé les différentes thématiques abordées qui m'ont parlé et qui m'ont questionné. C'est donc un roman particulièrement efficace pour ce qui est de pousser le lecteur à une certaine gymnastique des neurones, à vous faire parfois quelques nœuds au cerveau, mais soyez aussi prêt à ressentir par moments quelques haut-le-cœurs, parce que l'auteur, très clairement, n'est pas avare en détails bien gore. Si vous souhaitez lire du morbide, allez-y, parce que certains passages, pour le coup, même moi qui ai l'habitude d'en lire, j'avoue qu'il fallait quand même s'accrocher. Vous l'aurez donc compris, la mort. La mort est vraiment une thématique hyper centrale dans ce roman, et je dirais de façon globale, même dans la trilogie, je ne sais pas parce que j'ai pas encore lu le dernier tome, mais en tout cas dans les deux premiers, c'est une thématique tellement vaste, presque mystique, et qui pour autant touche absolument tout le monde. Et j'ai trouvé que la façon dont Franck Thillier avait abordé cette thématique était vraiment intéressante. J'ai aimé la façon dont il l'a traité ici, parce que j'ai trouvé que c'était fait sous un angle pour le coup original. Alors oui, si vous recherchez des histoires ultra réalistes, vous pourriez peut-être être un peu déçu. Et pourtant, en règle générale, c'est quelque chose que moi-même, je le dis assez souvent comme ça sur la chaîne pour que, si vous suivez, vous le sachiez, je recherche moi-même. J'aime les romans qui sont réalistes et en général, effectivement, quand il y a un manque de crédibilité, alors à des degrés plus ou moins élevés, c'est quelque chose qui peut me déranger. Et pour autant, justement, dans Il était deux fois, ce manque de réalisme, parce que bon, si on y réfléchit bien, des trucs très 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 improbables, je dis pas impossible, mais quand même très improbables, et bien pour autant ici ça ne m'a pas dérangé. J'étais tellement embarquée dans les intrigues multiples, dans les différents degrés de lecture et dans les différentes histoires qui s'entremêlent, que j'étais complètement passionnée par ma lecture et que du coup je suis un peu passée outre cet élément, je dirais, de l'histoire. Thillier a fait très fort parce qu'il a vraiment réussi, je trouve, à écrire une histoire qui fait appel à une certaine dose tout de même de concentration de la part du lecteur et qui, pour autant, reste tout de même une lecture très divertissante, à un moment de détente. Alors, même si vous allez me dire, lire des trucs morbides, ce n'est pas une façon de se détendre pour tout le monde, et je le conçois complètement. Mais ouais, ça en est resté pour autant une lecture ouais, addictive et divertissante, bien qu'elle m'ait sans cesse trituré les neurones et m'a fait poser vraiment mille questions. Alors, comme pour le manuscrit inachevé, la plupart des
des réponses aux questions qu'on pouvait se poser ont été apportées, même si, là encore, l'auteur a laissé quelques questionnements en suspens pour, je l'imagine sans peine, y répondre dans le troisième et dernier tome de la trilogie. Il était de foi et donc vraiment, pour moi, un très bon cru de Franck Tillier et je pense très sincèrement l'un des meilleurs que j'ai pu lire de l'auteur jusque-là. Et c'est pour dire, parce que je commence à en avoir lu quand même un paquet, je ne les ai pas comptés, mais on doit bien être aux alentours d'une quinzaine de romans lus. Décidément, cette duologie, pour moi, est diablement écrite et pensée. C'est tortueux à souhait, c'est aussi extrêmement noir. Alors, hein, comme je l'ai dit, c'est très clair qu'il faut avoir le cœur bien accroché, mais vraiment avec cette envie, cet espoir d'avoir enfin l'aboutissement de cette histoire, de boucler la boucle. Je vais lire très rapidement le troisième et dernier tome, vous pouvez en être certain. J'ai personnellement toujours beaucoup aimé Franck Tillier, ça fait vraiment des années que je le lis, et à chaque fois avec beaucoup de plaisir, c'est toujours un bonheur pour moi de découvrir ces différents romans, ces différentes histoires, protagonistes, sagas. Mais j'avoue que je ne m'étais pas imaginé que c'était le genre d'auteur capable de livrer une histoire aussi complexe, vraiment construite comme une succession de couches d'oignons. Bref, si je dois résumer, si vous n'avez pas peur de tomber dans un gouffre de noirceur et de mystère, alors allez-y, foncez, parce que vraiment, c'est très bon, tout comme le tome précédent. Donc voilà, si vous aimez le mystère, les énigmes et aussi les détails bien gore, bien cracra, alors foncez sur le manuscrit inachevé et il était deux fois. Et je pense que je vous dirai très certainement la même chose pour Labyrinthe, mais on va pas trop s'avancer et on va attendre de lire pour ça. Et comme je vous le disais ce matin, je pense que là, je vais profiter, comme je le disais, que Mini nous soit à la sieste pour aller me poser à l'ombre sous un arbre avec une boisson fraîche et débuter ce roman-ci. Parce qu'on est d'accord qu'avec une couverture pareille, ça ne peut être lu qu'au bord de la piscine. Donc ouais, Grégoire Delacour, Les quatre saisons de l'été chez le livre de poche. Je n'ai aucune idée de ce dont ça parle. Je ne veux pas relire le résumé. De toute façon, Grégoire Delacour, c'est comme Franck Tillier et comme de nombreux autres auteurs que j'affectionne particulièrement. Je veux lire toute sa bibliographie. J'ai d'ailleurs plutôt bien avancé dans cette quête personnelle. Il ne me reste plus énormément de lui que je n'ai pas encore lu. Donc ce roman-ci me rapprochera un petit peu plus de ce but. Et du coup, bah, je vous ferai un résumé lorsque j'aurai un petit peu avancé dans l'histoire. Mais pas trop non plus, puisque nous sommes, comme généralement avec cet auteur, sur une histoire très courte qui fait à peu près 270 pages, mais écrit très gros, avec pas mal d'espace un petit peu partout, des belles marges. Donc je pense que ça devrait se lire très rapidement. J'avance un petit peu là-dedans, et puis dès que ce sera fait, je vous en parle. Comment allez-vous ? De mon côté, ça va très bien, sauf qu'il est à peu près 10h20 et que j'ai déjà très très chaud. Mais bon, on va faire avec. Nous sommes donc lundi, programme du jour, visite des Jardins des Secrets, je crois. Toujours à Marrakech, près de où nous étions hier. Sinon, côté lecture, j'ai très bien avancé dans Les quatre saisons de l'été. Et donc normalement, je vous en reparle cet après-midi. Thank you.
Bonjour, nous sommes ce coup-ci mardi. Alors normalement le programme de la journée aujourd'hui c'est une journée un peu off à la villa, donc si tout va bien je vais avoir le temps d'avancer et même de terminer le dernier roman que j'ai sorti. Pour rappel, c'était donc 4 saisons de l'été de Grégoire Delacour, qui est, j'aurais pas vraiment dire, entre un roman et un recueil de nouvelles. C'est un peu une espèce d'hybride entre les deux. Définitivement, je ne sais pas vous porter à bout de bras, donc je vais essayer de vous poser quelque part, parce que là, je pense que l'image va trembler sans cesse et ça va être juste l'horreur pour vous. Bon, on va essayer comme ça. Je disais donc les 4 saisons de l'été, finalement, c'est presque un recueil de nouvelles, puisque dans ce court livre, on va y retrouver 4 histoires qui sont 4 histoires d'amour contrarié, d'amour retrouvé, enfin, vraiment 4 histoires qui vont tourner autour d'une histoire d'amour à différents âges, puisque la première concerne un garçon de 15 ans, je crois, la seconde une femme de 35 ans, la troisième une femme de 55 ans, et là, la toute dernière que j'ai commencée, un couple, un homme et une femme de 75 ans. Donc ouais, c'est ça, à chaque fois on se retrouve avec une histoire d'amour à 20 ans d'écart, même si sur une frise chronologique, je dirais, toutes les histoires finalement se passent exactement au même moment. C'est le 14 juillet 1999, si je me souviens bien. Donc pour l'instant, ça se passe très très bien. Après, je suis plutôt, je dirais pas fan, mais réceptive en tout cas à l'écriture de Grégoire Delacour. J'ai déjà lu pas mal cet auteur, donc je savais un petit peu dans quoi je m'embarquais. Il me reste 30 pages, je dirais. Donc tout ça pour vous dire que normalement, aujourd'hui, ce sera terminé. Si ce n'est pas terminé, je ne comprends pas. C'est que j'aurais été aspirée dans un vortex temporel. Donc il est prévu que je le termine durant la sieste de Mininou, parce qu'il va forcément en faire une au cours de la journée. Et puis, dès que c'est terminé, je vous fais un petit débrief global. Ouais, je crois qu'on va partir comme ça pour aujourd'hui. Hello, comme prévu, je profite de la sieste de Mininou pour venir vous faire un débrief, parce que oui, ça y est, j'ai terminé les 4 saisons de l'été de Grégoire Delacour, et mon Dieu, quelle lecture. Alors, très sincèrement, j'ai très rapidement apprécié ma lecture, mais je crois que au fur et à mesure que j'avançais dans ce titre, que les pages tournaient, je me délectais à chaque fois un petit peu plus des mots de l'auteur et tout simplement des histoires qu'il semblait un petit peu tricoter. Je trouve qu'il a vraiment réussi à entremêler ces 4 histoires avec beaucoup d'intelligence, et du coup l'entièreté du roman donne ce sentiment un petit peu de toile de la vie, où l'amour et les sentiments s'entrechoquent sans cesse. Alors, je vous l'avais déjà dit sur cette chaîne, j'ai déjà rencontré ce type de construction narrative, vous savez, quand chaque chapitre va se concentrer sur un protagoniste différent qui croise ceux que l'on rencontre dans les autres chapitres sans vraiment se connaître. Et malheureusement, en règle générale, c'est quelque chose qui jusque-là ne m'a jamais totalement convaincue. Je me souviens que ça avait été par exemple le cas pour Les Loups à leur porte ou pour Zombie quelque chose de Bret Easton Ellis, et encore dans un autre titre, je ne sais plus lequel. Bref, toujours est-il que vraiment d'habitude, je sais pas, c'est quelque chose qui ne me plaît pas des masses, ou en tout cas qui ne fonctionne finalement pas trop avec moi. Et là, c'est vraiment la première fois où j'ai adoré ma lecture de bout en bout. J'ai replongé une fois de plus avec délectation dans L'art de manier les mots de Grégoire Delacour. Et décidément, c'est vraiment pour moi un auteur de la nostalgie. Je trouve qu'il arrive parfaitement à retranscrire ce sentiment et tout ce qui gravite autour. C'est vraiment un auteur qui redonne vie aux souvenirs, une sorte d'explorateur des moments passés qui ont façonné les enfances et les adultes que nous sommes aujourd'hui. Et c'est vraiment dans ce type de titre que je préfère sa plume, ceux dans lesquels il se laisse, je trouve, complètement aller à l'évocation des sentiments et à la poésie, ce qui n'était pas autant le cas, je trouve, dans ses premiers romans. De sentiments, comme vous vous en doutez, il en est donc plus que question dans ce titre qui, comme je l'ai dit, est presque plus un recueil de nouvelles qu'un roman.
Et j'ai vraiment apprécié le fait que, au-delà de tout parler forcément de sentiments et d'amour, toutes les histoires de ce recueil soient également reliées par différents éléments communs, tels que la date du 14 juillet 1999, la plage du Touquet, les fleurs bien sûr qui ont une très grande importance là aussi dans ce titre, plein de petits éléments comme ça que l'on retrouve comme des points d'ancrage dans les différentes histoires et qui permettent vraiment de relier l'ensemble. Et chose étonnante, parce que, on va pas se mentir, en général dans un recueil de nouvelles, il y a toujours des nouvelles qui nous plaisent plus que d'autres. Et ici, je crois que toutes m'ont plu vraiment au même niveau. Alors je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur, à un moment, c'était mon livre qui tombait, un moment avec la troisième nouvelle, parce que, a priori, au fur et à mesure que j'avançais dans cette histoire, je sentais qu'elle me touchait moins que les autres. Et puis, la dernière page est arrivée, et là, j'ai revu ma copie, et je l'ai finalement adorée. J'ai aussi beaucoup aimé la toute dernière partie dans laquelle on va retrouver vraiment des sortes de chapitres très très courts qui permettent de complètement clore les différentes histoires et de définitivement lier le tout. J'ai trouvé l'écriture de Grégoire Delacour vraiment très intelligente et extrêmement touchante. J'ai bien sûr aimé toutes les façons qu'il avait de parler de l'amour dans ce titre, que ce soit du premier amour, de l'amour naissant, du premier chagrin d'amour, de l'amour perdu, de l'amour qui se fait attendre, de l'amour qui dure toute une vie. Et je crois que vraiment l'histoire de Rose et Pierre, la toute dernière, m'a énormément émue et m'a presque fait pleurer. C'est pour vous dire à quel point vraiment il y avait ce petit quelque chose qui rêvait en moi tout plein de sentiments. En tout cas, une chose est certaine, c'est que mon cœur s'est serré plus d'une fois à la lecture de ce livre. Et si de votre côté, vous aimez, je dirais, les histoires qui mettent un peu les gens lambda en avant, qui évoquent les souvenirs passés, le tout sous une plume blanche assez poétique et pleine de tendresse, alors je pense que vraiment vous devriez vous régaler avec ce titre. Pour ma part, vous vous en doutez très certainement, c'est donc un très joli coup de cœur et je pense d'ailleurs que c'est le roman de Grégoire Delacour qui m'a jusque-là le plus fait ressentir d'émotion, avec également le titre Mon père. Bref, je pense que vous l'aurez compris, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré ce roman et je ne peux vraiment que vous le recommander. Il n'est pas très long et je vous assure qu'il est empreint de plein de belles émotions, de plein de tendresse, de plein de petits moments parfois un petit peu durs qui viennent ponctuer le tout, mais qui ne sont là finalement que pour rendre l'ensemble encore plus beau. Donc si vous l'avez dans votre pile à lire, allez-y, vous pouvez sortir. J'ai vraiment trouvé personnellement que c'était très bon. Et sur ce, puisque maintenant j'ai donc terminé cette lecture, je suis devant ce dilemme à savoir que vais-je lire après, et je vous avoue que j'hésite pas mal. Alors j'avais pris ce Virginie Grimaldi, mais je pense que pour le coup je ne vais pas choisir celui-ci, tout simplement parce que à lire vite fait le résumé, j'ai l'impression qu'on va être un petit peu, grosso modo, dans le même schéma, le même univers que les histoires d'amour, on va dire, que je viens de lire de Grégoire Delacour. Donc ouais, je sais pas, pour le coup j'avais envie d'autre chose. Je suis donc tentée entre ces deux titres, donc un Jérôme Maubry qui me fait très très envie, mais qui fait ses un peu plus de 400 pages. Alors ça reste du Jérôme Maubry, ça se lit très bien et je n'ai aucun doute sur le fait que je vais m'éclater, mais il fait 400 pages. Et ce Sophie Jomain, une auteure que je n'ai jamais lue, qui fait à peu près 250 pages, donc beaucoup moins long. Le seul problème, on va dire, c'est que j'ai l'impression que ça traite un peu de dépression et de trucs pas très joyeux. Donc, est-ce que j'ai envie de lire ça en vacances, sous le soleil, avec la famille? J'en suis pas certaine. Donc, sachant donc qu'il me reste un petit peu de temps aujourd'hui, un petit peu de temps, je pense, demain, et après ce sera le retour. Et vu la journée assez chaotique, je pense qu'on va passer jeudi. Très sincèrement, je doute d'avoir le temps de lire. Bon, allez, je pense que je vais quand même me lancer dans le Jérôme Loubry, et puis on verra bien ce que ça donne.
Et au pire, si je ne l'ai pas terminé ici en vacances, comme d'habitude, je prolongerai un petit peu le vlog et je ferai ainsi en sorte de vous donner, bien sûr, mon avis final. Sur ce donc, je vais aller me dégoter soit une place à l'ombre sous un arbre, soit une place quelque part en intérieur pour débuter cette lecture. Et puis, je vous retrouve soit plus tard aujourd'hui, ce qui m'étonnerait un peu, soit demain, puisque demain, nous allons normalement, demain matin, visiter le jardin Majorelle, que j'avais très très hâte de voir, puisque j'aime beaucoup le travail d'Yves Saint-Laurent et que par conséquent, j'avais vraiment envie de découvrir cet endroit. Donc, comme d'habitude, je vous emmènerai avec moi. Et j'espère avoir de jolies images à vous montrer. Rebonjour, nous sommes mercredi, c'est la dernière journée à vraiment profiter de Marrakech. Donc comme je le disais, ce matin, petite visite des jardins de Majorelle que j'ai très hâte de voir. Et en plus de ça, j'espère que l'on va pouvoir trouver un petit peu d'ombre et de fraîcheur parce que je vous avoue qu'il fait déjà très très chaud. On a crevé de chaud cette nuit et les températures ne font que monter. Donc ouais, un petit peu de frais, en tout cas d'ombre, je croise les doigts, mais ce serait pas trop mal. Et puis bah, je vous embarque pour vous montrer tout ça. Et je n'oublierai pas également de vous reprendre cet après-midi pour vous faire un petit point, un petit résumé aussi de l'essor de mon mort, que du coup j'ai commencé hier, que j'ai plutôt bien avancé parce qu'avec la chaleur et la clim en panne hier soir, forcément je me suis endormie assez tard et j'ai lu à peu près 150 pages pour l'instant, donc je pourrais déjà vous faire, je pense, un certain résumé et vous donner un premier petit avis. Donc ouais, on se retrouve cet après-midi. Je vous reprends donc un tout petit coup avant d'aller retrouver le reste de la famille pour vous dire un tout petit peu ce que je pense pour l'instant des sœurs de mon mort et également vous faire un rapide résumé parce que jusque là je ne vous ai même pas dit de quoi il était question dans ce roman. Donc au tout départ de cette histoire, on fait la connaissance plutôt d'une jeune journaliste qui est contactée par une personne qui apparemment vit à Montmort, une ville plutôt particulière, qui lui promet du coup de lui offrir le scoop de sa très jeune carrière, puisque donc notre journaliste est au tout début de sa carrière, parce qu'apparemment, de ce qu'on comprend, il y a eu une sorte de
Massacre à Montmort. Et en parallèle, on va également suivre les aventures, dirons-nous, de Julien, je crois, un flic fraîchement débarqué à Montmort pour prendre la succession du responsable du commissariat, on va dire, qui malheureusement est décédé dans un accident de voiture quelque temps auparavant. Il arrive donc dans cette ville de Montmort et très rapidement, il se rend compte que c'est une ville un peu particulière puisque elle est tout d'abord un peu truffée de caméras pour la sécurité de tous. Parce que là, on parle d'une ville de taille vraiment plutôt moyenne. Et puis surtout, elle est vraiment auréolée de pas mal d'histoires et de légendes autour de sorcières, puisque dans cette ville, il y a donc une espèce de mont des morts. Certains disent que c'est une montagne, mais en fait, c'est plus un mont. Du haut duquel, fut une époque, on balançait tout simplement les femmes qui, comme à l'époque de Salem et compagnie, étaient un petit peu trop intelligentes, un petit peu trop belles, qui savaient soigner les gens avec des plantes, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc, on baigne vraiment dans cette ambiance un peu mystique, un peu sorcière, d'autant plus que dès le départ, on va se retrouver avec un berger qui va massacrer tout son troupeau parce qu'il a un peu comme entendu des voix. Je ne veux pas trop vous en dire parce que en réalité, il ne se passe pas mille choses. Il n'y a pas vraiment, vous savez, une grosse scène de départ qui va lancer l'histoire. Non, là, on suit vraiment Julien au fur et à mesure qui prend un petit peu ses marques dans cette ville, qui va en apprendre un peu plus sur la ville, sur le maire de cette ville, qui est en fait une sorte de ville privée qui appartient donc à un seul homme, qui est un très riche milliardaire qui a fait fortune dans différentes sociétés, dont des sociétés pharmaceutiques. Et donc, on baigne un petit peu dans tout ça. Alors, je vous avoue que pour l'instant, moi, de Jérôme Loubry, j'ai lu Les Refuges et De Soleil et de Sang. C'est donc deux romans vraiment que j'avais beaucoup aimés, pour des raisons différentes, mais vraiment les deux m'avaient complètement embarquée et séduite. Et voilà, j'aime beaucoup cet auteur. Et là, j'avoue que l'histoire, de la façon dont elle est présentée en tout cas, toute cette ville et les personnages qui vivent, etc., j'ai envie de dire manque de réalisme, mais c'est même pas encore tout à fait ça. C'est qu'on a l'impression que l'auteur nous raconte vraiment l'histoire d'une ville imaginaire qui ne serait pas, par définition, une ville comme on pourrait en trouver dans notre monde. Et du coup, ça crée un certain décalage avec cette histoire de flic qui est somme toute très classique, on va dire, niveau roman policier. Donc ouais, il me manque un côté crédible, il me manque... En fait, j'aimerais que cette histoire soit un peu plus ancrée dans le réel. Là, j'ai l'impression qu'on m'embarque dans une histoire un peu fantasmagorique. Alors, après, connaissant Jérôme Loubry, je ne suis pas non plus à l'abri qu'à la fin, il me sorte un truc de son chapeau et que je me dise « Ah oui, non, en fait, c'est complètement génial ». Mais j'avoue que là, pour l'instant, je suis un peu le cul entre deux chaises. J'adore ma lecture, hein, pour preuve. Voilà, j'ai lu presque 170 pages, donc grosso modo, j'en suis à la moitié. Ça reste vraiment de la lecture plaisir, ça se lit très bien. La plume de Jérôme Loubry est très fluide, c'est pas le souci. Mais je sais pas, au niveau de l'histoire, il y a un petit truc pour l'instant qui me dérange un peu, mais qui en même temps peut potentiellement être complètement expliqué sur la fin. Donc bon, je continue à avancer. C'est pour l'instant pas celui de l'auteur qui m'emballe le plus, mais j'attends de voir. Ça reste tout de même plutôt cool. Bon, et puis comme c'est donc la dernière journée, on va dire, vraiment à Marrakech, puisque demain nous reprenons l'avion, donc je vais très certainement, enfin c'est certain, avancer un petit peu plus dans cette histoire aujourd'hui et ce soir, mais je doute vraiment donc de le terminer ici à Marrakech. Mais bon, c'est pas grave, je le terminerai une fois rentré à la maison et puis je vous ferai un débrief total depuis mon canapé. Et puis ma foi, ce sera aussi bien. L'important pour vous, j'imagine, étant d'avoir un avis lecture de toute façon. Qu'importe le cadre. Et puis j'ai complètement oublié de vous faire un petit débrief par rapport au jardin de Majorelle ce matin.
Alors, c'était très sympa à voir, franchement, le lieu est magnifique. Par contre, si vous souhaitez le faire, je vous préviens, c'est quand même pas très grand et il y avait vraiment beaucoup de monde, je trouve. Donc, ouais, c'est pas l'endroit le moins touristique, on va dire, de Marrakech. Hein. Préparez-vous à, ouais, à être un petit peu presque bousculé tant il y a de visiteurs. Sinon, à part ça, vraiment, les gens au Maroc sont ultra accueillants, ultra gentils. Ils adorent les enfants, autant vous dire que Mininou est vu comme un petit prince. Et perso, je ne m'attendais vraiment pas à un pays aussi vert et fleuri. C'est juste sublime de voir certaines grappes de fleurs de bougainvilliers. Niveau couleur et végétation, magnifique. Est-ce qu'il ne serait pas temps de clôturer ce vlog? On vous en doutait, si j'ai décidé de terminer cette vidéo, c'est que, bien sûr, j'ai terminé ma lecture des Sœurs de Montmort. Nous sommes donc rentrés de Marrakech jeudi soir assez tard, ce qui fait que je ne vous ai pas repris entre deux. Le retour s'est, ma foi, très bien passé et aujourd'hui nous sommes donc samedi et je viens tout juste de terminer ce roman. C'est d'ailleurs hyper rare que je vous fasse des retours aussi rapidement après la fin de ma lecture, autant à chaud. Mais je me suis dit que si je ne filmais pas maintenant, je ne savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir clôturer ce vlog, étant donné que ma maman sera là ce week-end. Donc je prends mon courage à deux mains, vous m'excuserez s'il y a donc des petits bruits peut-être un peu parasites, mais Mininou joue juste au-dessus. Et je vais donc enfin vous dire ce que j'ai pensé de ma lecture des Sœurs de Montmort de Jérôme Loubrie. Ce roman est donc le troisième que je lis de l'auteur. Et si j'avais vraiment adoré ma lecture de ses autres romans, qui sont donc Les Refuges et De Soleil et de Sang, je dois reconnaître que pour le coup, celui-ci m'a quand même beaucoup moins convaincue. Ce n'est pas tant le style de l'auteur qui m'a vraiment posé problème, parce qu'il faut reconnaître que le style d'écriture de Jérôme Loubrie reste toujours aussi fluide, abordable et plutôt addictif. Il sait là encore plutôt bien mener et bien gérer le suspense et le rythme de son roman, même si très clairement j'ai tout de même lu ce titre-ci avec moins d'envie et de frénésie, je dirais, que ses deux précédents romans. Mais comme je vous l'avais déjà un petit peu évoqué, ce qui m'a finalement le plus gêné dans cette lecture, c'est que tout du long, je ne croyais pas en ce que je lisais. Dès le départ, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'un peu irréel dans cette histoire. Et alors qu'on se retrouve quand même avec une lecture de type plutôt roman policier, puisque je le rappelle, on va principalement donc suivre un flic qui va enquêter, je dirais, sur différents éléments, et bien malheureusement, je ne croyais à aucun moment que ce que je lisais pouvait être possible. Du coup, sachant un petit peu désormais ce dont Jérôme Loubrie est capable et ce qu'il met en général en place dans ses romans, j'ai patiemment attendu la fin en attendant de pouvoir découvrir l'explication qui me donnerait une certaine logique à ce que je lisais. Et en effet, la fin est arrivée et les explications ont bien été apportées. Alors oui, la fin est plutôt surprenante et en plus de ça, elle soulève, je dirais, des thématiques actuelles et des questionnements, ma foi, fort intéressants. Mais je dois reconnaître que pour ma part, cela n'aura pas suffi. J'ai donc aimé les réflexions que ce roman m'a apportées, mais je n'ai pas réussi à me départir de ce sentiment que l'auteur avait peut-être eu en premier lieu l'idée de cette fin et qu'il était venu un peu broder toute son histoire autour. Et du coup, malheureusement, l'histoire en elle-même m'a par conséquent semblé parfois un peu faible et manquant d'un peu de consistance. Je ne me suis également pas attachée au personnage puisque très clairement pour moi il manquait de réalisme, donc partant de là je ne pouvais pas vraiment développer d'empathie pour eux. Et si j'aime effectivement les livres qui proposent à la fin un retournement de situation qui, je dirais, qui remet pas mal de choses en perspective, ça ne peut pas non plus pour moi représenter entre guillemets le seul intérêt d'un livre, ou en tout cas son intérêt principal. Ça n'aura donc pas été une lecture désagréable, hein, loin de là, mais très clairement il ne m'aura pas autant
embarquée et autant convaincue que les autres romans que j'ai pu lire de lui jusque-là. De plus, je tenais vraiment à noter que certains détails de l'histoire sont quand même bien bien gore, donc attention à vous, si vous êtes un lecteur sensible, certains passages pourraient peut-être franchement vous rebuter. J'ai été aussi un poil déçue par, je dirais, l'utilisation de la thématique des sorcières. Je crois que vous en avez un petit peu parlé, et c'est vrai que c'est une thématique qui peut franchement être très intéressante, que ce soit d'ailleurs si l'on se positionne du côté des sorcières un peu fantastiques ou du côté un peu plus moderne du thème des terme des sorcières. Mais c'est vrai que pour le coup, je trouve que l'exploitation que l'auteur en a fait manquait peut-être d'un peu de force et de conviction. J'aurais vraiment aimé que toute cette dimension un peu mystique que l'on a, comme ça par petites bribes dans ce roman, soit là encore beaucoup plus forte que ce qu'on peut trouver dans ce titre. En résumé, si vous aimez donc les romans à suspense avec des fins très surprenantes, alors foncez sur ce titre parce que je ne peux que reconnaître qu'effectivement la fin l'est. Elle est plutôt bien construite et effectivement assez originale, mais malheureusement, cette fin surprenante, vous l'aurez compris, n'aura pas suffi à me laisser sur un sentiment de franche réussite à la fin de ma lecture, et croyez-moi, j'en suis la première peinée. Pas le meilleur de l'auteur donc pour ma part, mais je pense que si vous êtes un lecteur assez, je dirais, occasionnel du genre, et si vous ne recherchez pas forcément ce réalisme dans vos lectures comme c'est le cas pour moi, alors foncez sur ce livre parce que je pense que véritablement il pourra vous divertir et vous faire passer un bon moment de lecture tout en ayant cette petite dose de waouh à la fin. Si je devais résumer de façon très simpliste et très triviale, je dirais que c'était sympa, mais que c'est franchement pas son meilleur pour moi. Voilà donc, sur ce, j'allais dire en une semaine, mais pas vraiment, en un peu plus d'une semaine, du coup, j'aurais lu 3 livres. Alors en soi, par rapport à mon rythme d'avant, d'il y a, je dirais, à peu près 2 ans, ce n'est pas énorme, et j'aimerais pouvoir lire bien plus que ça. Mais en soi, je me dis que c'est tout de même pas si mal, surtout que donc des 3 lectures que je vous aurais présentées dans ce blog, il y a quand même 2 romans qui m'ont vraiment beaucoup plu, dont un coup de cœur, donc ouais, je me dis, mais je crois que je vous l'avais déjà dit il n'y a pas très très longtemps, je sais plus si c'était dans un vlog ou un point lecture, dernièrement, je lis peut-être moins, mais j'ai l'impression de plus me connaître et du coup de mieux choisir mes lectures et de faire de meilleures lectures, en tout cas de façon plus régulière. J'ai beaucoup plus souvent de bonnes lectures, voire des coups de cœur, même si, non, des vrais coups de cœur, ça reste quand même rare, mais j'ai peut-être moins de grosses déceptions que j'avais auparavant. Donc bon, on va essayer de continuer sur cette lancée. En tout cas, voilà, vous l'aurez donc compris, ce sera là la fin de ce vlog qui, je l'espère, vous aura d'une part donné peut-être des idées de lecture et en plus de ça, donné peut-être des envies de voyage ou en tout cas vous aura permis de vous évader un petit peu par les images. Et puis, de mon côté, je vous retrouve rapidement sur la chaîne, soit pour un book haul, soit pour un point lecture. Les 2 vont arriver dans quel ordre, je n'en sais encore rien. Vous le savez, j'adore échanger avec vous, donc n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire juste en dessous dans l'espace dédié. Je serai ravie de vous répondre. Et puis, jusqu'à la prochaine, comme d'habitude. Vous le savez, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye !